Shalom everyone, je suis Jeff. Aujourd'hui, je vous ai parlé des derniers temps. Si vous êtes vraiment au service des plus hauts et que vous avez prié pour la compréhension, vous devez savoir que nous vivons actuellement à la fin des temps. Quand vous regardez dans le livre de Matthieu 24 verses 6 à 13, il dit que dans les derniers jours, il y aura famine, guerre et rumeurs de guerre. Que savons-nous maintenant des guerres et des rumeurs de guerre? Eh bien, les médias de ce pays nous cachent tout de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce pays à ce qui se passe à l'extérieur. S'ils ne vous disent même pas ce qui se passe derrière leurs portes closes, comment voulez-vous qu'ils vous disent ce qui se passe dans un autre territoire? Surtout si ce sont eux qui causent les dégâts. Le livre d'Amos 8 verset 11 a également dit qu'il y aura une famine sur le pays. Parlons maintenant de cette famine dont parle la Bible. Tout d'abord, les gars connaissent déjà la définition de la famine. Une famine, c'est quand il y a un manque de nourriture partout dans un endroit ou un pays, les aliments sont très difficiles à trouver et dans certaines régions, les gens font parfois irruption dans les maisons et les entrepôts pour voler de la nourriture, mais cette famine parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour nous est la nourriture. C'est la nourriture de nos âmes et sans elle, nous mourrons de faim. Vous affamez la parole, c'est quand vous ne pouvez pas la trouver et quand vous ne la trouvez pas, votre esprit souffre et vous faites tout ce que vous avez envie de faire qui peut être des péchés. Dieu place ses disciples et ses prophètes partout dans le monde pour prêcher son évangile. Certains sont au coin des rues, dans les stations de radio, sur Internet et dans les églises, mais ils font tout le même travail, et j'espère qu'ils le sont parce que tant de prédicateurs ou de soi-disant prophètes prêchent de fausses doctrines. Selon le livre d'Amos 8 verset 11, il a déclaré qu'une famine est sur le point d'arriver. Ainsi pendant cette famine, ses prophètes ne seront pas prêchés sur les médias sociaux et la parole de Dieu sera interdite partout. Certains d'entre vous savent peut-être ce que je vais dire car de nombreux pays ont commencé à interdire la Bible quand cette famine arrivera, vous n'entendrez plus ce mot, donc le moment est venu. En ce moment, vous avez le temps de vous repentir et de suivre le plus haut Yahweh dans le bon sens avant qu'il ne soit trop tard. Ma question est que lorsque vous allez au restaurant et que vous commandez quelque chose, le serveur vous apporte-t-il la mauvaise chose? De plus, la personne qui a pris la commande l'a-t-elle apportée à la cuisine pour être préparée? Encore une fois, le cuisinier prépare-t-il la mauvaise chose? Vous seriez énervé si cela arrivait, non? Eh bien, si vous avez répondu non à la première question et oui à la dernière question, vous avez raison. Maintenant ma question est pourquoi prétendez-vous chercher Dieu alors que vous ne faites pas ce qu'il vous a dit de faire et que vous vous attendez à ce qu'il ne se fâche pas contre vous et ne vous punisse pas? Faire ce que Dieu a dit de faire, c'est suivre ses lois, ses statuts et ses commandements quand vous ne suivez pas les lois de votre pays que vous est-il arrivé. Vous avez été puni par les autorités de ce pays, non? Alors comment voulez-vous que Dieu vous punisse quand vous partez? Ce monde se terminera bientôt et à un moment donné, vous ne m'entendrez ni moi ni aucun autre prophète vous dire ce que vous êtes censé faire. Les criminels connaissent clairement leur jugement s'ils se font prendre en train de commettre un crime et vous devriez connaître votre jugement si vous vous faites prendre sans Christ. Ce n'est pas le moment de discuter et de discuter de ce que vous pensez ou de ce qui va se passer. Mais je dis à tout qu'il va y avoir un temps où vous ne pourrez plus entendre la parole de Dieu. Allez au plus profond de vous-même maintenant et posez-vous cette simple question. Est-ce que je fais le travail de Dieu pour arriver au royaume? Dois-je suivre ses commandements de la bonne manière? Est-ce que je suis plus pris dans ce qui se passe dans le monde que dans ce que Dieu a dit de faire? Si vous répondez non à une ou plusieurs de ces questions, vous devez vous repentir tout de suite et vous mettre sur la bonne voie avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Ce monde dans lequel nous sommes tellement pris va bientôt brûler au sol, alors si vous mettez Dieu de côté, que ferez-vous alors? Souvenez-vous que Dieu n'a rien à jouer avec. Si vous prévoyez de le servir, faites-le bien et suivez-le dans le bon sens car lorsque vous avez vraiment besoin de lui, il ne vous cachera pas son visage. Ce royaume n'est pas une promenade dans le parc et bientôt les choses vont devenir laides sur cette terre que vous le croyez ou non parce que Dieu n'a jamais menti sur ses prophéties qui mangeaient à venir. Repentez-vous aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard ou vous serez détruits par le feu lorsque le ciel s'ouvrira. Shalom à vous tous et joyeux sabbat. Écrit et produit par Hitmaker Productions Inc.